Après avoir réussi à vaincre le signe indien de 10 saisons en remportant son premier match de la saison à Magra face au NCM, la JSK a calé chez elle face à une jeune équipe du Paradouac, joueuse à souhait. Un nul sans but qui a déçu plus d'un. Ce n'est pas tant les deux points de perdu Zahom qui ont déplu au Cop Kabil, mais c'était plus la manière avec laquelle l'équipe a évolué. En effet. Les camarades de Swede donnaient l'impression du joueur forcé d'être là sur un terrain, sans plus. Ils ont évolué sans aucun dispositif tactique et sans motivation. Ils ont été à des moments du match dépassés par le jeu court et la vivacité des grenats. Une mauvaise prestation reconnue par le coach Bouzidi qui continue à vivre avec la nostalgie de la fin de la saison dernière. Nous en sommes à, notre douzième match sans défaite. Ainsi il donne cette impression de n'être obsédé que par le spectre de la défaite qu'il faudrait éviter coûte que coûte oubliant ainsi l'importance des trois points à domicile. Il est allé même jusqu'à accuser ses joueurs de penser au troisième match à Canchela que de se concentrer sur ce match face au PAC. Puis, il évoquera une certaine pression négative sur ses joueurs, sans préciser sa provenance alors qu'en règle générale cette dernière devait être positive au vu de la première sortie victorieuse. Qu'à cela ne tienne, tous ces ingrédients ne justifient nullement ce nul. Tant il faut dire que la faillite tactique est la seule raison de cette contre-performance. Puis, Bouzidi tentera de justifier ce semi-échec en mettant dos à dos la commission de recrutement et la direction quant à l'enrôlement des deux subsahariens en Suva et Matouti, qui n'ont pas le profil recherché. Ainsi, il dira que le tanzanien en Suva n'est pas un pas un centre avant de métier et le gabonais Matouti est à l'origine un arrière-gauche. Aussi est incompréhensible son discours lorsqu'il évoque sa recherche de l'équipe type alors qu'il a eu le temps nécessaire avec cette série de matchs amicaux disputés durant la préparation. Comme quoi, il continue à se chercher et à se rechercher. Reste à savoir s'il aura encore du temps pour le faire avec ce calendrier choc qui attend son équipe lors des prochaines journées. Pour lui, l'urgence est de trouver un tueur de but qui manquait aussi à cette équipe du pack qui aurait pu repartir avec les trois points. En attendant, les fans espèrent que ce n'est là qu'un simple accident de...